Eh bien, moi, c'est Aurélien Tourte. Je travaille au cours Clément depuis, ça va faire ma deuxième année. Là, je commence ma deuxième année. Et c'est un vrai plaisir parce qu'en fait, j'aime donner des cours. J'appelle plus ça des ateliers d'ailleurs, parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans le principe de l'atelier, c'est qu'on essaye des trucs. La scène, pour moi, c'est un lieu du possible. On peut essayer plein de trucs. C'est une cour de récré. Et là, pendant 2 heures par semaine, vous venez, vous essayez, vous jouez. Et j'adore ça. Je vous regarde, je vous accompagne pour créer. Et c'est un vrai plaisir. Alors bien sûr, hein, on travaille, c'est un peu exigeant quand même. C'est que dans n'importe quel jeu, il faut des règles. Et donc je suis là pour vous les apprendre au niveau du corps, au niveau de la voix, tout ça. Mais avant tout, on est là pour jouer, pour s'amuser et pour créer. Mon travail, il est assez corporel, dans le sens où c'est pas trop cérébral, ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est vos corps, les voir jouer, les voir s'épanouir, les voir rire, les voir pleurer, les voir s'animer. Le théâtre, alors en fait j'aime plein de sortes de théâtre. J'aime quand c'est bien écrit. Mais des fois ça peut être nous qui pouvons écrire. Hein. Pour les textes, je suis assez libre. Peut-être que ça peut être une écriture de plateau. Vous allez inventer, on va écrire, on va prendre des textes qui existent. Ou voilà, j'aime le collectif. C'est-à-dire que si on est là pour, vous n'êtes pas là pour juste faire votre scène à vous, mais vous êtes là pour jouer ensemble. C'est ça qui compte, ensemble, être un groupe, une troupe. Pendant un an, vous êtes une petite troupe dans laquelle vous allez créer, jouer, s'émouvoir, pleurer, faire plein de trucs. Et c'est ça qui est chouette. C'est un lieu des possibles. Donc, comme tout est possible, on peut tous s'amuser. Comme au théâtre, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Bah, ensemble, on trouve des solutions et puis on joue avec. Voilà. Avant tout, c'est du plaisir. Même si on joue du drame ou des choses comme ça, il y a quand même un grand plaisir à jouer ça. C'est qu'on n'est pas là pour faire une thérapie, mais on est là pour jouer, pour sublimer un peu les choses. Donc le but, c'est de jouer. Et donc quand on joue, souvent, on s'amuse. Et on s'amuse même quand on joue du drame, même quand on joue de la comédie, parce qu'on a un plaisir à sublimer des sentiments qu'on a connus ou pas connus d'ailleurs, parce que si on était obligé de connaître tous les sentiments qu'on doit jouer, on ne s'en sortirait pas. Mais oui, avant tout, c'est ludique. Enfin, on dit jouer au théâtre, hein, on ne dit pas s'ennuyer au théâtre, on dit jouer. Donc l'aspect ludique est pour moi primordial. Et en quatre lignes, comment tu articules un atelier? Comment j'articule un atelier? Bah, on commence toujours par un échauffement, pour se mettre dedans, pour que le corps, pour que l'esprit se mette dedans, parce que les gens sortent du travail, ou d'autres choses, ou des études, et rentrer un peu dans un univers, rentrer dans le théâtre, rentrer dans la création. Et donc voilà, on s'échauffe, le corps, la voix, l'imaginaire aussi, et après on joue. Donc première partie de l'année, voilà, c'est beaucoup de découvertes. Et puis après, on choisit un texte ensemble et puis on joue. Mais l'échauffement continue, et c'est vrai qu'après l'échauffement, il continue plus peut-être par rapport au texte qu'on a choisi. Donc, comment s'échauffer le corps, l'imaginaire pour accompagner la création de la pièce qu'on va jouer, que vous allez jouer à la fin de l'année.